Le calme sous l'équateur est souvent trompeur. Il est même plutôt annonciateur d'événements extraordinaires. J-1. Enfin le moment pour elle de sortir de son hangar. 54 mètres de haut, pour 750 tonnes. Cette drôle de créature qui part se promener au-dessus des arbres de la savane n'a rien d'exotique ici. C'est la fusée Ariane 5. Posée sur des rails, tractée par un camion, elle va rejoindre son aire de lancement à 3 km de là, sur la base de Kourou en Guyane. Demain, elle doit décoller pour mettre en orbite deux satellites. L'un est américain, l'autre appartient à des Indonésiens. Ces derniers ont parcouru la moitié de la planète pour venir ici. Et ils sont extrêmement émus. Je suis très excité. Vraiment, je suis très heureux. Car aujourd'hui, on peut voir notre satellite ici. Et demain, on espère bien que le lancement sera un grand succès. Monsieur Siam dirige l'une des plus grandes banques d'Indonésie. Il a 53 millions de clients. Et il a besoin de son satellite pour sécuriser ses échanges avec eux. Pour ça, il n'a pas hésité à investir plus de 200 millions d'euros. Nous sommes la première et la seule banque au monde à disposer de notre propre satellite. Nous espérons être beaucoup plus performants à l'ère de la banque numérique. Depuis 20 ans, des dizaines de pays viennent en Guyane lancer leurs satellites, consacrant Ariane 5 et Kourou comme les champions du monde des tirs de satellites commerciaux, loin devant les Américains, les Russes ou les Chinois. L'aboutissement d'une folle aventure, initiée il y a plus de 50 ans. Pour partir à la conquête de l'espace, la France a choisi l'un de ses territoires les plus éloignés, la Guyane. À 7000 km de Paris, sur le continent sud-américain, cette région d'Amazonie a un immense avantage. Au plus près de l'équateur, elle occupe une position idéale pour lancer des fusées. Le centre spatial de Kourou emploie aujourd'hui plus de 1500 personnes. Ingénieurs, techniciens, mais également pompiers ou légionnaires qui font de ce site civil le plus protégé de France. Ils sont des centaines chaque année à abandonner la métropole pour venir travailler au cœur du département le plus sauvage de France, avec sa forêt vierge et ses animaux dangereux, mais avec également ses dizaines de kilomètres de plage. Dans quelques jours, l'envol d'Ariane 5 marquera l'apothéose de 2 mois de travail pour les équipes du centre spatial. Conçus en Europe, les éléments du lanceur sont arrivés par bateau dans ces immenses containers. Ils ont été ensuite assemblés sur place à Kourou, avec d'infinies précautions. Puis les deux satellites ont été préparés sous atmosphère confinée et placés bien à l'abri, sous la coiffe de la fusée. Si tout va bien, Ariane 5 réussira bientôt sa 72e mise en orbite successive. Un record inégalé à ce jour. Quitter la métropole pour venir travailler au centre spatial de Kourou, c'est changer radicalement de vie et de climat. Originaire du sud-ouest, Pierre Chadouteau a posé ses valises sous l'équateur il y a un an. Son premier choc ici a été thermique. En Guyane, la température avoisine les 30 degrés toute l'année et l'humidité y est de 95%. C'est pas un climat difficile, mais il faut s'y habituer un petit peu. Au début, quand on se lève, là, la chambre climatisée, on sort, on ouvre la porte, boum! De suite, humidité, un petit peu de la moiteur. Bon, on se dit, ouais, ça y est, j'ai tout pégueux, puis c'est parti pour la journée. Ce qui a amené Pierre en Guyane, c'est le rêve de beaucoup d'enfants. Faire décoller des fusées. Une consécration pour cet ingénieur de 59 ans qui a fait l'essentiel de sa carrière au Centre national d'études spatiales de Toulouse. Pour cela, il est reparti à zéro, de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, je suis arrivé ici,
avec deux valises, c'est tout. Toi, ils te fournissent, t'arrives à la maison, ils te fournissent le mobilier. Bon, alors c'est... Il y a ce qu'il faut, quoi. C'est vrai que je pourrais mettre des tableaux, des trucs, question de déco, c'est un petit peu minimaliste. Il y en a qui arrivent avec des conteneurs, des ménages carrément. Pour vivre sa passion, Pierre a dû consentir à quelques sacrifices. Occuper ce logement un peu spartiate et surtout laisser en métropole sa compagne et ses deux fils, qui pour le soutenir dans son aventure, lui envoient régulièrement des petits mots. Tu vois, celui-là, il est sympa, il m'a mis un petit cœur. Salut papa, un coucou de Toulouse. J'espère que tout va bien en Guyane. Je t'aime, Denis. Avec un magnifique oiseau. Mais l'essentiel de son temps, l'ingénieur le passe à quelques kilomètres de là. Direction le centre spatial. Dans 6 jours, Ariane 5 doit décoller pour la 230e fois. Un vol au cours duquel Pierre va jouer l'un des tout premiers rôles, au cœur d'un lieu mythique. Alors on rentre dans le sein des seins. Le centre de contrôle des fusées. Pierre y occupe un fauteuil très convoité, celui de directeur des opérations, le DDO en jargon spatial. C'est lui qui procédera au compte à rebours final. Mais avant d'en arriver là, il va falloir débloquer des centaines de verrous de sécurité. Car étonnamment, l'ordinateur à bord d'Ariane 5 est programmé pour ne jamais décoller, tant qu'on ne l'a pas convaincu qu'il n'y a aucun danger. Pour qu'un lancement soit réussi, il faut qu'il y ait énormément d'événements qui se passent bien, les uns ou en parallèle ou les uns derrière les autres. Et en fait, le système est fait pour que le lanceur ne parte pas. Et on est là pour déverrouiller toutes ces étapes, pour s'assurer qu'effectivement il va partir. Assisté d'ingénieur au titre parfois incompréhensible pour le commun des mortels, Pierre va aujourd'hui simuler le prochain lancement. L'objectif, c'est que tous ces voyants restent au vert jusqu'à leur hache. Tout doit être optimal, de la météo jusqu'au trafic. Car pour arriver en orbite, le chemin d'une fusée ressemble à une autoroute. Il peut y avoir des bouchons et même des carambolages. Avant de faire un lancement, on s'assure qu'on n'a pas de critères de collision avec la Station Spatiale Internationale. C'est mieux. Voilà. Donc dans notre... Oui, c'est mieux. Pour eux et pour nous. Donc on n'est pas en mode missile. Donc, et là, on vient d'avoir la confirmation qu'effectivement, pendant notre fenêtre de lancement, on peut y aller. Au moins sur ce critère-là, on est vert. D'accord. RSV de DDO. Oui, DDO, je t'écoute. Pour l'état de tes moyens, s'il te plaît. Je t'annonce que les moyens techniques sauvegarde vol sont verts. Ok, je te remercie. DDO d'AME, pour t'annoncer que tous les moyens mesures sont verts. Ok, on est bien parti. Mais contrairement à ce que pense Pierre, cette répétition générale ne va pas être de tout repos. À quelques minutes du lancement fictif, les ordinateurs du centre de contrôle vont simuler un incident. Rouge. Oh, rouge mesure. Oui ? Oui, Henri. Donc on a un problème sur la synchro Jupiter 1. On a beau être dans un exercice, Pierre doit réagir comme en plein lancement. Au moindre voyant rouge, le compte à rebours est immédiatement stoppé. À tous de DDO, arrêt du décompte suite à un rouge télémesure. Dans la salle, aucun affolement. Ce lancement fictif sert aussi à tester le sang-froid des ingénieurs face à un imprévu. Réunis en cellule de crise, loin de notre caméra, ils vont en quelques minutes identifier l'incident, le résoudre et finalement relancer le compte à rebours. On est reparti. DDO pour CM, les deux charges utiles sont prêtes à repartir sans préavis. Pierre est désormais aussi concentré que s'il s'agissait du véritable lancement. Top, H0 moins 1 minute. Tiens, ça arrive vite hein, quand ça débouge. Ah ben oui, hein. T'es prévenu. Hey. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, top. Allumage des EAP. Décollage. La simulation est un succès. Séparation du satellite Brissat. Le vrai décollage dans quelques jours sera une autre affaire. Cigare. Comme Pierre, ils sont 9000 à travailler directement ou indirectement pour le centre spatial, soit le tiers de la population de Kourou. Mais la ville ne vit pas uniquement au rythme des lancements de fusées. Entre océans, fleuves et forêts amazoniennes, elle offre bien des surprises. On y rencontre par exemple deux drôles d'oiseaux, comme Lionel Collado. Avec son look d'aventurier, il a épousé l'Amazonie il y a plus de 20 ans. Après quelques années à travailler au centre spatial, Lionel est devenu guide touristique. En ce jour de marché, il a des emplettes à faire pour les clients qu'il s'apprête à emmener à l'aventure ce week-end. D'abord, il faut bien les motiver. Bon, je vais vous prendre quelques parts époux alors. Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez cuit quand? Aujourd'hui? Hier soir, à 22h. Eh bien, les parts époux, c'est les fruits d'un palmier. Donc c'est très riche, c'est très bon, ça a un peu le goût... un subtil mélange entre la châtaigne et le cœur d'artichaut, on va dire. Des maracujas, et c'est d'ici, ça pousse vraiment bien. La mangue, tu manges ta mangue, tu jettes ton noyau, ça y est, il y a un manguier qui va sortir, il y en a un peu partout des manguiers. En ville, tout le monde connaît Lionel. C'est fait, ça va ? Pourtant, il en est qui s'étonne encore de son mode de vie très singulier. Où qu'il aille, quel que soit le temps, le guide aime à rester pieds nus. Non, c'est vrai. T'as peur de te prendre des trucs dans les pieds, là ? Bah, ça m'arrive, regarde, l'autre jour, je me suis, avec un caisson de bouteille, là. Ah, mais c'est un tel plaisir de sentir un coup le sable chaud, un coup tu sens l'herbe humide, les troncs secs, les troncs mouillés, le sable, la terre sèche, la terre mouillée. C'est bon, c'est un massage permanent. Ce jour-là, pour les courses, Lionel et son assistante ont vu grand. Ils attendent pas moins d'une quinzaine de clients pour le week-end. Alors, le chou. Papaye. La papaye. Papaye solo, concombre. Le maracuja, l'ananas. Je te laisse ramener ça à la maison. Merci. Là où Lionel s'apprête à partir, il n'y a aucune route. Le seul moyen de rejoindre l'Amazonie, c'est par le fleuve Kourou, en pirogue. Les gens, pour qu'un canopé, venez par ici, s'il vous plaît. Lionel et son équipe emmènent ce matin leurs clients dans un coin reculé de la forêt. Bonjour. Comment Aline ? Un lieu qui est le territoire de nombreux animaux sauvages. Entre serpents, jaguars, caïmans et moustiques, Julie ne sait pas ce qui l'inquiète le plus. Cette jeune kiné est arrivée de métropole il y a tout juste une semaine. On a tout pris, c'est bon, crème solaire, crème anti-moustique. Eau, la totale, c'est bon, ça va être une bonne expérience. Elle n'a pas dormi de la nuit. C'est pas pour le même raison. On stresse. Stress, pourquoi ? Ah, c'est l'aventure quand même. C'est l'aventure. Elle a peur de faire mal. Avec tout ce qu'on entend, ça fait peur. Après, quand on parle directement avec les gens d'ici, ça va. Mais... C'est impressionnant. Ok. Ok. C'est très royal. C'est parti pour un voyage en pirogue qui va durer près de 3 heures. Très vite, l'inquiétude se transforme en fascination devant le décor enchanteur de cette forêt primaire qui borde chaque méandre du fleuve Kourou. Ce trajet, Lionel l'emprunte 2 à 3 fois par semaine pour aller travailler, sans jamais s'enlacer. Lui qui, depuis son adolescence, a toujours rêvé de l'Amazonie. Bon, moi j'ai choisi mon boulot, hein. Donc c'est mon trajet du travail aussi, je l'ai choisi. Des fois, quand il pleut, quand je suis fatigué, quand j'aurais envie de me plaindre,
Ouais, je me rappelle qu'il y en a qui sont coincés dans les embouteillages à Paris ou quoi. Et je suis bien plus content d'être là sous la flotte. Quoi. Pour certains passagers, ce week-end a une saveur particulière. C'est le cas d'Aline et de sa famille. Son mari, Laurent, ingénieur au centre spatial, termine son contrat à la fin du mois. Ils sont venus s'offrir un baroud d'honneur. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ce week-end ? Un souvenir mémorable. Parce qu'on s'en va dans 3 semaines, on rentre en métropole définitivement. Et donc on est venu garder une image forte de la Guyane. Et la Guyane comme on l'aime, la nature. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Attention à vos bras sur les bords, on va passer entre les tacaris là. Les voici arrivés sur le domaine de Lionel. Attendez, on va avancer le bateau un peu là. De grands carbets, des maisons traditionnelles amérindiennes perchées dans les arbres et reliées entre elles par des ponts de singes. C'est Lionel qui a bâti tout cela de ses propres mains. Et il a prévu pour ses invités un week-end à couper le souffle. Au même moment, au centre spatial, le pas de tir et ses 4 gigantesques paratonnerres s'apprêtent à accueillir Ariane 5. Au royaume de l'hypertechnologie, on n'a pas encore trouvé mieux qu'un bon vieux balai pour dégager les rails sur lesquels la fusée va circuler. Pour l'heure, celle-ci est encore à l'abri dans ce bâtiment de 90 mètres de haut à l'horizon. C'est le territoire des ingénieurs d'Ariane Espace, comme Lorraine Verny et Frédéric Faquin. Ils ont ici une lourde responsabilité, car derrière ce géant de 54 mètres de haut, il y a des enjeux financiers astronomiques. Entre le prix des satellites et le prix du lanceur et le prix du service de lancement, effectivement, c'est des centaines de millions d'euros. Effectivement, et ça dépend des charges utiles, effectivement. Il y a des satellites qui sont des satellites commerciaux, qui sont des satellites plus standards, qui coûtent un peu moins cher, mais on est dans une gamme de 200-300 millions d'euros pour le projet. Il y a des satellites de type scientifique qui peuvent coûter 1 milliard, 2 milliards d'euros, voire plus. Donc on voit bien la mise des missions à plusieurs milliards d'euros, et là, effectivement, une certaine pression sur les épaules, ça c'est clair. Hein. Donc, je ne vous cache pas que bon, on n'y pense pas toutes les secondes parce qu'autrement on aurait un peu de mal à faire notre métier. À seulement 42 ans, Frédéric est déjà un vétéran de l'aventure spatiale. Avec 121 lancements à son actif, il connaît par cœur chaque pièce d'Ariane 5, comme ce moteur Vulcain qui va devoir assurer la poussée au décollage. Sur cette fusée, c'est lui, l'ingénieur en chef. Donc là, on a une belle vue sur le lanceur. Donc il n'est pas entièrement découvert parce qu'il y a encore des plateformes d'accès, parce que la préparation du lanceur n'est pas encore terminée. Mais on arrive au bout, les dernières préparations finales seront pour lundi. Donc on est à 4 jours du lancement. Vu l'enjeu, la fusée va faire l'objet de centaines de contrôles. Tout est ultra réglementé. Bonjour. Ça va ? Voilà, ça a été fermé. Hein. Ouais, vérifier à l'aide d'un tournevis que les 4 clapets de surpression des portes JAV sont en position fermée. Tu peux vérifier. Le moindre coup de tournevis fait l'objet d'une procédure écrite et il est contrôlé en temps réel par un superviseur. Au-delà du coût faramineux de cette fusée, cette obsession du contrôle est aussi guidée par des enjeux de sécurité. Ok, bah c'est bon, on a fini l'opération des sections de fuite. Confirmé. C'est bon, ouais. Ok. Merci. Ouais, les paramètres sont bons. Avec les tonnes de poudre et de produits chimiques qu'elle contient, Ariane 5 pourrait se transformer en bombe. Alors, au moindre doute, les ingénieurs préfèrent carrément reporter un lancement. C'est ce qui va arriver avec ce vol. Alors que nous sommes théoriquement à J-4, le tir va être repoussé à 3 reprises et reprogrammé 10 jours plus tard.
Des incidents qui obligent à tout annuler, il peut s'en produire à tout moment à Kourou. Pour veiller sur le centre spatial, les ingénieurs s'en remettent à leurs anges gardiens, des pompiers qui viennent d'autres cieux, ceux de Paris. On les voit à l'entraînement, sous l'œil attentif de leur chef, le capitaine Laurent Onillon. C'est bon les gars ? Allez, tenue allégée, on rince la zone tranquillement, et après on roule. Des pompiers de Paris à 7000 km de la capitale, cela peut surprendre. Mais pour intervenir sur ce site hautement sensible, il fallait des pompiers professionnels et rompus aux risques industriels. Pompiers de Paris à Kourou, c'est quand même pas banal et on a la chance de pouvoir être ici. Alors on se prépare avant puisque tous les gens qui viennent ici ont des formations sur les risques chimiques et radiologiques. Et puis après, il faut s'adapter au monde du spatial qui est complètement différent. Le détachement du capitaine Onillon compte 80 hommes. Pour avoir le droit de venir ici, tous ont dû afficher minimum 5 ans d'état de service. À l'image du sergent-chef Arnaud Bobier. Bonjour Arnaud. Ça va, capitaine ? Ça va ? Bien vous ? Ouais, ça va. Ce matin, le chef Bobier va diriger un exercice qui ne pourrait se passer nulle part ailleurs en France. T'avances. Donc voilà, on est arrivé. Avec ses hommes, il va simuler une fuite de carburant pour satellite. Donc là, les gars, moi, je viens d'avoir la sauvegarde. Apparemment, ça serait de l'hydrazine. C'est OK ? Allez, on s'équipe. Donc là, on va équiper les personnels de l'appareil respiratoire isolant. OK, tapez-moi. C'est bien ? C'est bon ? L'hydrazine est un carburant spatial explosif et extrêmement toxique. En l'inhalant, ces hommes pourraient faire un œdème pulmonaire et même tomber dans le coma. Le risque, il existe. Alors, il est maîtrisé, il est vraiment pris en compte. Mais il y a pas, le risque zéro n'existant pas, on doit se préparer à ce genre de choses. Donc, il y a forcément un peu de stress quand on va faire une détection sur ce genre de produit. Parce que les produits qu'on met dans les carburants des satellites sont quand même des produits qui sont hautement inflammables et pour certains explosifs. Si jamais, s'il y a quand même un risque qui existe, faut en être conscient. Vous faites bien la double détection, hein, avec l'appareil et le Dräger. Et si jamais il y a quelque chose par radio, vous transmettez le relevé que vous avez sur le PBRE, d'accord ? Allez, à tout à l'heure. Protégés par leurs combinaisons étanches, les pompiers vont intervenir sur le bâtiment où sont remplis les réservoirs des satellites. Avec leurs instruments de mesure, ils vont rechercher une éventuelle fuite de produits chimiques. Bilo Mange Gardien pour le chef de garde du Vieux Paris. Chef d'un régime, détection effectuée, 0 PPB. Je répète, 0 PPB, néant. Bien reçu, vous revenez vers la Berforce Gardien et on va faire l'évolution. Allez-y. Allez-vous déséquiper, les gars ? Allez. Fin de l'exercice. Et retour vers la caserne. Pour les pompiers, c'est l'heure du sport. Durant leur tour de garde, ils ont 2 séances obligatoires par jour, même dans la moiteur guyanaise. Et tant pis s'ils transpirent avant même le début de l'exercice. Bon, c'est bon, vous êtes chaud, les gars ? À l'image d'Arnaud Bobier, tous étaient volontaires. Ils ont signé pour 4 ans à Kourou. Pour eux, la Guyane est à la fois une aventure professionnelle et humaine. On se retrouve dans un monde qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc automatiquement, les liens vont se faire tout de suite avec nos collègues pompiers. Nos collègues de travail, du moins, et les familles après apprennent à se connaître. Et ça crée des liens qui sont même très forts, peut-être même plus forts qu'en métropole. Parce que ces 4 années où l'on vit ensemble, c'est un petit peu notre deuxième famille qui est avec nous. Pour nouer ces liens, vivre sous l'équateur offre quelques avantages. Comme celui de pouvoir profiter de la douceur des plages de Kourou,
situé à deux pas de chez Arnaud, et où il peut venir quand il n'est pas de garde. Il y retrouve souvent quelques-uns de ses collègues, comme Grégory et Clément. Les trois pompiers, qui ne se connaissaient pas avant de quitter Paris, sont devenus très amis, et c'est ensemble qu'ils savourent leur chance d'être ici. Je pense qu'il y en a qui nous envient, ouais. Il y en a qui nous envient. Surtout la famille, quand on leur montre sur les photographies, puis sur Skype, on leur montre en direct qu'il y a la piscine à côté, les cocotiers. Ouais, c'est assez paradisiaque quand même. Arnaud est arrivé accompagné de sa femme et de ses petites filles. Ce projet, tous en rêvaient, ne serait-ce que pour le soleil et les joies de la plage. Et même au bout d'un an, la Guyane leur réserve encore des surprises. Comme une pêche miraculeuse. Il est énorme. Et le monsieur, il a vu se taper contre les rochers. Un poisson de 5 kilos qui émerge tout seul de l'eau. Fatma, l'épouse d'Arnaud, s'est elle aussi parfaitement acclimatée à cette nouvelle vie, même si toute la famille sait déjà que l'aventure aura une fin. J'ai retrouvé du travail assez facilement, la vie ici me plaît, beaucoup de belles découvertes, que ce soit la nature. Enfin, après nous, on aime bien tout ce qui est le calme, la nature, les animaux. Certes, celui qui aime la ville, ici, ça sera un peu plus compliqué pour lui, je pense. On n'oublie pas ce qu'on faisait en métropole. On a mis une parenthèse, on a fait stop, enfin, plutôt pause. Et dans 4 ans, on repartira, quoi. Mais oui, c'est une belle parenthèse, par contre, pour la vie, quoi. Il est vrai que pour les expatriés en Guyane, les occasions de faire des parenthèses enchantées ne se limitent pas qu'à la plage. Dans la forêt équatoriale, nos touristes de l'Amazonie sont prêts à prendre leur envol. Oui, oui. Okay. Là, tu vas tirer sur ton t-shirt derrière. Aline, Julie et les autres vont passer l'après-midi dans les arbres. Allez, un premier volontaire pour partir en tyrolienne. Un, une. C'est parti. Lionel va les emmener jusqu'à la canopée. Mais après cette petite descente en tyrolienne, en guise de hors-d'œuvre, certains se demandent encore ce que la forêt va leur réserver. Là, dans les arbres, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est cool. C'est génial. Mais bon, là, il y a encore un peu le stress quand même, hein, parce que tu vois, là, on est au milieu de la forêt. Tu te dis, où est-ce qu'ils vont nous emmener? Aline a raison de se faire du souci, car arrivé un peu plus loin, les choses se corsent. Ils vont devoir grimper à la force des jambes. Bah, je suis pas rendu, hein, le gars. Oh, et c'est hyper physique, hein. Va au rythme d'un alpiniste. Tu pousses sur tes jambes et tu mets un coup de bassin vers le haut, là. L'objectif, c'est cette plateforme à 36 mètres du sol. C'est physique, hein. Allez, Juju. Du haut de ses 9 ans, Léandre, le fils d'Aline, va avaler la montée en un rien de temps, pour découvrir une vue imprenable sur l'Amazonie. Ça va? C'est l'arbre le plus grand de la canopée, là, non? Pas trop fatigué? Ah si, c'est physique, hein. Hein, c'est physique, tu trouves? Ah oui, très. Tu l'avais vite fait, un petit bonhomme, quand même. Hein. Il a mis 10 minutes, lui. C'est physique. En bas, certains sont encore à se faire violence. Voilà. Petite appréhension, quand même, dans le vide. 30 mètres de hausse. Je pense que... au bout d'un moment, je vais flipper. Mais bon. Mais au-delà de l'altitude, la chaleur et l'humidité à plus de 95% ne facilitent pas la tâche des grimpeurs. Allez, faut que tu continues, c'est pour toi. C'est bon. J'ai la même température que le rhum. T'as 50 au moins. Fallait que je monte. Ah ouais. Raphaël. Je voulais pas redescendre. T'as diverti ? Non, non, pas spécialement, mais bon. Quand t'es à 10-15 mètres de haut, que tu regardes un peu, tu fais oh, bon. Je vais continuer à monter.
pour Lionel qui pratique l'alpinisme depuis l'enfance. La montée est une simple formalité. Cet observatoire au milieu des arbres, il l'a également bâti lui-même. C'est son havre de paix, d'où il a même une vue imprenable sur les décollages de la fusée Ariane. Vous l'avez déjà vu décoller d'ici ? Ah oui, oui, oui. Je décolle là-bas. Là-bas au nord. Ah, on monte comme voilà, ça. Je me demandais où c'était le nord. Alors il y a des fois, il y a eu une Ariane 5, elle monte et alors la traînée blanche qui montait, déformée par des vents dans un sens ici et par des vents de l'autre, et la fumée formait un gros 5 comme ça dans le ciel. Donc tu avais la fumée qui montait, tu avais un gros 5 et après qui continuait comme ça. Pour sa première fois dans la forêt, Julie a totalement évacué son appréhension d'avant le départ. C'est plein d'émotions qui se mélangent entre la peur, l'excitation, le sentiment de liberté, un peu dépasser ses peurs, cette puissance un peu. Ça, ouais, c'est bien pour la confiance en soi et tout ça. C'est chouette. Mais il lui reste une dernière épreuve, une descente en rappel à la nuit tombante. C'est impossible que ça lâche. C'est impossible. Vraiment, hein. Vraiment. Parce que c'est des tout petits nœuds là. Non, c'est pas des tout petits nœuds. Ah ouais. C'est impossible que ça lâche. D'accord. Ah, c'est des nœuds de chaise qu'il y a. Une nœud de chaise. Ouais, mais une chaise, c'est pas très costaud, tu vois. Ah, une nœud de chaise. Une chaise, peut-être. Mais une nœud de chaise, lui, c'est le seul nœud qui est sécurite. Hein. Ah ouais. Après le cabestan, on n'est pas sécurite. Bon, mais c'est bon, c'est arrivé. Regarde, c'est à toi. Ouais. Ouais, hein, Julie, ouais. Allez. À l'arrivée, nos aventuriers du jour seront récompensés de leurs efforts. Lionel leur a réservé une soirée haute en couleurs locales. De quoi finir en beauté ce week-end dans les arbres. C'est des journées comme aujourd'hui où on en prend quand même plein les yeux. Là, on se dit quand même, c'est un décor qu'on voit pas partout. Donc c'est chouette. Ça va vous paraître un peu fade, la métropole à côté, non? C'est ce que je crains. C'est mes craintes. C'est mes craintes. C'est mes craintes du début du retour en métropole, parce que c'est vrai que ça va nous faire un choc. Ouais, bah ouais, mais après. Mais bon, on s'habitue à tout, hein. On était très inquiets à l'idée de venir en Guyane, on s'y est fait, donc on s'adaptera. Mais avant le retour en métropole, ils ont encore un dernier grand événement à vivre. Au centre spatial, le jour J approche pour Frédéric, l'ingénieur d'Ariane Espace. La porte du gigantesque hangar d'assemblage a été ouverte, signe que le lancement est désormais tout proche. Depuis cette plateforme, à plus de 40 mètres du sol, Frédéric profite d'un instant privilégié avant de reprendre les opérations techniques. La vue est sensationnelle. Hein. Une fois que la porte est ouverte, on a un magnifique paysage sur la forêt. Et juste là, sur le coin, on voit la zone de lancement. Donc c'est notre, ça va être l'objectif du jour. L'objectif de la matinée, c'est d'amener le lanceur et la table en zone de lancement au bout là-bas, en face de moi. Pour les ingénieurs comme lui, la fusée Ariane n'est pas qu'une histoire de prouesse technologique. Un lancement est également chargé en émotions, comme en témoigne un rituel qui a été instauré avant chaque vol. Juste avant le lancement, pendant la préparation finale, les clients viennent signer leur logo et mettre un petit mot de sympathie à la fois au lanceur, mais aussi et surtout à leur satellite. Ils leur souhaitent généralement bon courage et bon vol. C'est un moment qui est très attendu par les clients, en tout cas. Ils aiment bien venir et
inscrire quelque chose, se dire aussi que peut-être qu'ils vont envoyer quelque chose, une part d'eux-mêmes dans l'espace, donc peut-être ça doit leur plaire, mais effectivement c'est devenu une forme de tradition, un petit rituel. Et vous allez lui dire au revoir un moment ? Ce soir, en zone de lancement. Bah, on s'attache un petit peu au lanceur quand même, on a passé un petit peu de temps, on a mis beaucoup de notre énergie, donc forcément, comme toute chose, lorsqu'on met beaucoup d'énergie sur quelque chose, donc, on commence à s'y attacher. Donc, et après, voilà. Et on sait que dans deux jours, il ne sera plus là. Et donc après, on aura un peu le baby blues. Ça va durer un jour et puis après, ça passera. Et on s'attaquera à une nouvelle préparation de lancement. Mais pas le temps de s'émerveiller. Désormais, la fusée est à découvert et nous sommes dans la phase la plus sensible de la campagne de lancement. C'est au tour de l'armée d'entrer en action. En France, aucun site civil n'est aussi sécurisé que le centre spatial. 400 hommes sont là pour parer à toute menace terroriste ou tentative d'espionnage. Parmi eux, un régiment de la Légion étrangère. Surveillance aérienne, sécurisation des zones côtières, déploiement de missiles solaires dernière génération, ainsi que des patrouilles par tous les moyens de transport possibles. En quad, mais également en kayak, à travers la mangrove. Une démonstration de force. De jour, comme de nuit. Personne ne doit pouvoir approcher de la fusée qui se trouve maintenant sur son pas de tir. Au centre de contrôle, la tension monte à quelques heures du lancement. Après trois reports de tir en 10 jours, tout le monde espère que cette fois sera la bonne. Pour Pierre, le directeur des opérations, cela paraît bien engagé. Tous les voyants sont au vert. Les banquiers indonésiens, eux, sont fébriles. Leur patron, M. Siam, ne tient plus en place. Comme un futur père au moment de l'accouchement, il s'inquiète pour son bébé, son satellite à plus de 200 millions d'euros. On se sent tout petit et très impatient. Sur son pas de tir, Ariane 5 semble enfin prête à prendre son envol. Un spectacle que nos touristes de la forêt équatoriale, Aline, Laurent et leurs enfants, ne voudraient rater pour rien au monde. C'est un lancement Ariane. On dit souvent qu'Ariane, c'est le fer de lance du spatial européen. C'est vrai, mais c'est aussi et surtout... La veille, ils se sont déplacés pour rien. C'est leur dernière chance d'assister au lancement avant de rentrer en métropole. Comme des dizaines d'autres curieux, ils se sont positionnés en haut du mont Carapa, un observatoire naturel à une quinzaine de kilomètres du pas de tir. On voit bien encore, hein ? Ça va être sympa. Ici, là, de voir l'énergie, la force qui est développée pour arriver à voir la fusée décoller, je trouve que là, ça prend une dimension qui est vraiment toute particulière. Ah, les hélicoptères. L'armée qui patrouille pour sécuriser la zone. Un signe révélateur pour Aline, celui du décollage imminent. Génial, ils mettent le panneau coucou maintenant. T'as vu? Genre, des fois, ils passent comme ça. Ils font bonjour. Ça va loin. C'est là. Mais au même moment, on n'emmène pas si large au centre de contrôle. Pierre est obligé de suspendre le compte à rebours à quelques minutes à peine du lancement. À tous de DDO, arrêt du décompte suite à un rouge ensemble de lancement. Que tous les moyens restent prêts pour la reprise de la chronologie à H0-7 minutes en cas de retour au vert. Tout en haut de l'écran à gauche, deux voyants ont viré au rouge. Les ingénieurs n'ont qu'une fenêtre de tir de 50 minutes pour réaliser le lancement. Il leur faut d'urgence élucider l'origine de l'alerte, sinon la fusée restera clouée au sol, une fois de plus. Les clients indonésiens accusent le coup.
tandis que sur le Mont Carapa, l'information vient tout juste d'être diffusée dans les haut-parleurs. Mauvaise nouvelle, nouveau rouge à l'ensemble de lancement, donc report au minimum de 7 minutes. Ah, c'est la fusée qui décide. C'est la fusée qui... dit je veux pas. Pas prête. Un vrai suspense. Il va falloir de longues minutes aux ingénieurs pour tout revérifier et finalement lever les doutes. Alors que tout le monde commence à anticiper un nouveau report de tir, in extremis, le message retentit dans la station. À tous de DDO, retour au vert de l'ensemble de lancement. Attention pour la reprise de Crolongy. Début de la séquence finale lanceur. H0-1 minute. Nous voyons les VIP qui sortent sur les terrasses d'observation pour assister au lancement juste au coucher du soleil ici à Kourou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Image de la paix, décollage. Paramètres à bord sont nominaux. Pour les banquiers indonésiens, c'est la délivrance. Leur satellite file enfin vers l'espace. Ah mais c'est beau, hein. Regarde, on voit bien là, la fumée et tout. À ce moment précis, la fusée est entièrement autonome. Ce sont ces ordinateurs de bord hyper puissants qui vont réaliser seuls la séparation des différents éléments. Jusqu'à la mise en orbite des deux satellites, 45 minutes plus tard. Les Indonésiens peuvent enfin laisser éclater leur joie. On est des vénards, hein? On a trop de la chance. Bon, on l'aura mérité, celle-là. Non, mais regarde, c'est quand même magnifique. Il fait encore jour, le soleil est encore là. On l'a vu sur quasiment toute sa trajectoire. C'est presque le plus beau lancement. Aline, Laurent et leurs enfants vont pouvoir rentrer en métropole, des étoiles plein les yeux. Au centre de contrôle, les ingénieurs seront restés tendus jusqu'à la dernière minute. Pour Pierre, c'est la libération. Ariane 5 est partie 2 minutes avant que la fenêtre de tir ne se referme. On a réussi. Salut, mon grand. Enfin. Bravo. T'es content? Oui, c'était trop bien. Encore. T'as vu ce spectacle? Extraordinaire. Ah ouais, non, fabuleux. La James Bond. Dernier moment, et même à la fin, on était là en train de tirer. Je vais vous arrêter le truc, oui. Extraordinaire. Fabuleux. Pour Pierre, c'était le dernier lancement en tant que directeur des opérations. Happy for you! Yes!
C'était le dernier. Voilà, c'est fini pour moi. Et moi le premier. Ben maintenant je suis derrière et je regarde les autres. Je suis à grosse goutte. Johan, retiens-moi parce que j'ai un hypercute à lui donner. Il va bientôt intégrer la direction du centre spatial. J'ai vu. Allez. C'est bon tout le monde, bon. Merci beaucoup. Bravo. Quant au prochain lancement d'Ariane, il est déjà programmé pour dans 2 mois.